le petit jingle de transition. On démarre et directement on, et on leur laisse la main. Et est-ce que vous êtes précholé? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes alcoolisé? Bah, ils sont pas, ils ont pas encore, ils ont pas les encore fini de rebrancher correctement. Ils changent, changement de shift, changement d'équipe. On voit ça, c'est les chaises nous, musicales. Tout mais c'est pas grave. De la... Nous, on va pouvoir dire aux gens qu'on est en train de commander à manger de notre côté. Exactement. Alors, de notre côté, qu'est-ce qu'on va manger? Bah, tacos industrie, hein, les petits tacos. On va sortir les bières artisanales qu'on pourra déguster aussi pendant leur émission. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, si on coupe nos micros, on pourrait presque même mettre le haut-parleur. C'est vrai, mais ça demanderait de bouger des manettes et on n'a pas envie. Ah ouais, c'est chiant. C'est la flemme. Alors, qu'est-ce que tu prends, toi, comme tacos Mais moi, tu sais que je prends un tacos maxi, comme d'habitude. Alors, avec 14 viandes. Maxi. Pour un total de 2,5 kg. Avec, du coup, merguez. Tu me connais. Tenders. Non. Oui, oui, tenders. Ah, mais tu, je sais pas, t'as fait un petit. Ouais. Et nuggets. Ou cordon bleu. Et kebab. Kebab, mais t'as changé. Oui, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pas de supplément. Pas de supplément. Deux trois bouteilles ou pas. Pas de supplément. Sauce andalouse. Non. Ah bon, tu prends pas andalouse maintenant. Qu'est-ce que tu prends? Je prends la marocaine. Marocaine. Ah oui, bon. Oui, c'est meilleur. Et donc avec supplément salade tomate oignon chef. Non, 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 pas de supplément. Pour mais on meuble pendant que vous faites les chaises musicales. Bonsoir. Voilà, exactement. Bonsoir. Merci. Ikea, Conforama. Alors par moi, contre, il y a un truc qui va pas, c'est que de mon côté, je vais prendre cordon bleu, merguez nuggets avec ça n'a évidemment absolument supplément aucun sens. Œuf. Ah, il y a les mêmes pizzas à côté de chez moi. Supplément œuf, boursin. Il y a les mêmes pizzas à côté de chez moi. Mozzarella. Mais c'est pas des pizzas, c'est des tacos. Ah non, moi c'est pizza. Mais... avec évidemment sauce andalouse. La merguez brésilienne. Cordon bleu est très bonne à côté de toi. Bon du coup en fait on va reprendre la main. Hein. Ok. On vous remet un jingle. Ouais allez-y. Quand allez. On tout ça maintenant on y va. Allez go. Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce petit épisode en live. Pour nous, c'est une première du Focol. Et aujourd'hui, donc, bah, pour ne pas changer notre petite habitude, donc je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Loli. Et j'ai avec moi, pour m'accompagner, le cher Azertov. Coucou, c'est moi. Et j'ai aussi le cher Tocheux. Adi Chats. Voilà, voilà. Et donc, aujourd'hui, petit épisode spécial, puisque nous avons un petit invité bonus qui nous a posé une question la dernière fois qu'on a fait un épisode. Question à laquelle on a commencé à répondre, et en fin de compte, on a fait de la grosse merde. Je confirme. C'était le pire épisode que j'ai eu à administrer, et cette fois-ci, j'espère que ça va pas repartir en vrille. Sinon, je vous préviens, je claque le micro et je me barre. Normalement, ils sont partis manger, on devrait être tranquille. Sans moi. Et donc, nous avons aujourd'hui Péremptoire. Salut les copains. Salut Pépé. Qui est, nous avait posé la question de comment on fait pour déguster une bière? Ah bah, hein, on n'est pas on seul. On va enfin pouvoir lui répondre, lui donner, on va essayer une réponse formelle. Donc au cas où, si vous ne l'avez pas compris, la thématique de l'épisode du jour, c'est la dégustation. Et un petit peu comment déguster une bière, qu'est-ce que vous ressentez quand vous buvez une bière. Et pour ce faire... Alors oui, je vous rassure, en fait, on a un autre invité qui vient de s'ajouter autour de la table, c'est Dizzy Rider. Bonsoir. Ah bah oui, non mais on va te mettre en avant aussi, t'inquiète pas, t'as voulu t'asseoir autour de la table, tu vas parler, mon petit gars. Donc, voilà. La thématique... Et l'invité, et le deuxième invité a un sacré passif aussi. En oui, bah voilà, bah, c'est Dizzy Rider, grand maître ordonnateur du podcast Les Pochards du Web. Donc, forcément que dans un podcast qui parle de bière, on pouvait que avoir une réunion d'alcoolique anonyme. Il y a du degré autour de la table. Et on parle pas que ce qu'il y a dans le verre. Voilà. Et donc, bon allez, on va essayer d'être sérieux un petit peu, puis on va essayer d'avoir un petit peu un... On va pas dire un fil conducteur, parce qu'on n'a pas de fil conducteur. Jamais.
aujourd'hui plus que d'habitude en fait. Thématique, comme je disais, de cet épisode, ce sera la dégustation, l'appréciation en fait de ce que vous pouvez avoir comme bière, etc., etc., le ressenti. Enfin, vous verrez au fur et à mesure du déroulé de l'épisode. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons un petit bonus, c'est que nous allons avoir des participants des Podcast Awards. Alors déjà que nous allons vous présenter et on va dire introduire, et s'ils le souhaitent, ils pourront rester parmi nous le temps de l'épisode. Donc nous accueillons d'abord Môme. Alors, du coup, je ne sais pas si elle est... Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. Est-ce que Môme, tu nous entends bien? Enfin, le podcast Môme. Je n'entends absolument rien. Moi, de la part du podcast tout, ouais. Môme, donc... La technique... Pourtant, sinon, nous, on l'entend. La technique... Non, moi, j'ai rien du tout. La technique est très, très mauvaise. Ça va être pratique pour faire participer quelqu'un à distance. Ouais, ça va être compliqué, ouais. Mais en même temps, bon, c'est les aléas du technique, hein. Qu'est-ce que c'est ça. Manga. Mais on fait jamais de live, on sait pourquoi, hein. Après, oui, voilà. C'est Azertov, quoi. La technique est Azertov. Normalement, ça devrait être bon, parce qu'elle est pas muette sur Mumble. Non, mais je te confirme, on l'entend pas. Oui, non, mais je te confirme aussi, je l'entends pas et je la vois pas parler, donc c'est pour ça. Et mais elle peut-être pas dans son on te confirme que t'es mauvais, en fait. Oui. Bah écoute, on va juste essayer de la recontacter et puis on va continuer, ouais. Mon Léni. On va continuer, c'est pas grave. Ouais. Et on va essayer en même temps, en parallèle, nous avons aussi le podcast Culturisme. On a donc Florent du podcast Culturisme. Culturims. 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 Salut. Salut. Alors, le son est peut-être dégueulasse, mais ouais, on m'entend. Oui, bah c'est le plus important, c'est en fin le principal. De compte. Ouais. Puisse t'entendre. Bienvenue. Merci. Donc, voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire... Encore une fois. Enfin, encore une fois, du coup. Ouais, bah du coup, je suis le présentateur du podcast Culturims. On est un podcast où on parle de culture et avec le nom, vous l'avez bien vu, c'est un peu avec humour. Mm. Et puis voilà, quoi. On est entre potes et puis on boit des bières. Donc, je pense que on est... tout à même de parler ce soir de la dégustation. Il va y avoir moyen de moyenner, effectivement, je pense. Ouais. Est-ce que la technique, tu peux me dire si le podcast Môme est ici ou pas? Alors oui, j'ai vu bouger le son. Est-ce que... j'ai vu bouger le son. Bah, non, mais tu sais, c'est genre Mumble, t'as l'icône pour dire que ça parle. Mais non, non, rien du tout. Alors, est-ce qu'en face de Culturims, on peut mettre un nom ou un prénom ou quelque chose? Allô? Oui, en face de Culturisme, Culturims, on peut mettre Florent, c'est ça, hein. C'est Florent. Oui, c'est ça, on peut mettre Florent. Non, Florent. Ce sera plus simple pour échanger. Tu parlais de boire des bières, est-ce que tu as, là tout de suite, là, allez, je te prends au dépourvu, ton type de bière préféré? Oh là, mon type de bière préféré... celle dont tu ne te lasseras jamais. C'est compliqué à dire parce que j'aime bien boire beaucoup de bière. Je vais passer pour un alcoolique. On est entre gens de bonne compagnie, on comprend. Non, là comme ça, non, j'aime bien quand c'est un peu fruité, machin. Donc des petits trucs genre la crique ou les trucs comme ça. D'accord. Plus fruité sucré. Plus fruité sucré. Plus fruité sucré. Donc, pour faire simple, Loli, est-ce qu'en disant une Lindemans, ça cadre bien? Les Lindemans, c'est les grands classiques, effectivement, des bières aux fruits. Alors, je vais commencer à faire mon emmerdeur. De toute façon, c'est à ça qu'on me reconnaît. J'ai trigué Loli au bout de 5 minutes, c'est bon, ça fait de l'air des pros. Non, je suis pas trigué parce que j'ai vachement évolué quand même et j'arrête de me mettre en colère, ça ne sert à rien. Parce que, t'as arrêté de prendre tout ça trop à cœur. C'est ça, en fait, il faut tout pour tout le monde. Ouais. Et donc, vis-à-vis de la Lindemans, le seul reproche que je pourrais faire dessus, c'est que au lieu d'être fait avec de vrais fruits, ce sont des bières qui sont faites avec du sirop, ce qui rajoute en fait ce côté sucré. Cependant, ça n'empêche que ce sont de bonnes bières. Alors, oui, le taux de sucre est quand même assez élevé. Il ne faut pas avoir du diabète quand tu bois ces bières-là, mais non, mais ça n'empêche que tu as bien les arômes du fruit, tu as bien cette légère acidité qui va avec. Cependant, moi, si je pouvais t'orienter vers quelque chose qui se rapproche de ça et qui serait, allez, on va dire, un peu mieux travaillé, je sais pas, je t'orienterais vers les amis belges de chez, allez,
Je cite qui pour pas faire mon snobinard dès le début. Trois Fontaines. Ouais, Trois Fontaines. Cantillon. Ouais, très bien, quand... Non mais voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Non ouais. Mais voilà, il y a plein de brasseries qui font de la gueuse, de l'alambic et ouais. De la crique avec des fruits directement chez les Anglais là par exemple, ce que je vous ai servi tout à l'heure. Là, oui. La sour au quetch. Ah. Bah c'est fait avec des vrais quetch et pour le coup on a bien l'arôme du fruit et on a de l'acidité avec. C'est ça, en fait, ce à quoi on reconnaît les gueuses, on va dire, plus industrialisées. Mm. Enfin, les gueuses et les lambics plus industrialisés que les gueuses et les lambics, on va dire, plus artisanales. C'est la dose de sucre qu'on va avoir en bouche et le côté sécheresse ou pas. Et du coup, Florent, toi, est-ce que tu as une référence dans ces bières légèrement fruitées que tu apprécies ? Pas du tout. Et là, je viens de me faire sécher complètement par le discours. Donc, mais j'ai noté les références. Voilà. J'ai noté les références, en tout cas. C'est pas une bibliothèque de culture ici. Nous, on est juste là pour partager. Donc, ah oui, non, mais si t'en as une qui te venait en tête, la dernière qui t'a marqué, par exemple. Non, non, la dernière qui m'a marqué, je regarde pas, je retiens pas forcément les noms. Non, d'accord. Non, mais c'est pas un problème. Je retiens pas forcément les noms. Donc. Le plus important, là, c'est de te rappeler ce que tu n'as pas aimé, comme ça tu le recommandes jamais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, à la technique, on me fait signe que ça y est, le podcast Môme est enfin disponible. Ah, je crois. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ah, cool. Fort et clair. Okay, loud and clear. Tout va bien. Okay. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Ok, je m'appelle Laura, j'ai 29 ans et je suis sur Paris. Et voilà, j'ai ce podcast Môme qui parle du non-désir ou désir de vouloir faire des enfants. Et ça m'a vachement intrigué par contre. Ah. Donc je vais me jeter dessus parce que j'ai pas pris le temps de le faire pendant les sélections. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Les propos que j'ai eus dans le dernier Roule avec moi. Donc... Oui, oui, bah voilà. Et puis on en a discuté en plus au barbecue il y a 15 jours. Donc ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui est encore très frais dans nos conversations. Oui, oui, oui. C'est très bien trouvé, je pense. C'est très bien d'en parler. Voilà. Bah, oui, ça non, me fait du bien aussi, donc du coup, voilà. Si ça fait du bien aux gens et que ça me fait du bien. Non, mais c'est ça aussi, en fait, on se rend compte qu'on a tous un espèce de besoin thérapeutique de faire du podcast. Oui, c'est, voilà. Walter Proof avait sorti ce mot de podcasto-thérapie. Un voilà. Catharsis du podcast. Non, mais c'est juste que c'est une question que tout le monde se pose au moins une fois dans sa vie, en fait. Même c'est ça. Voilà. Après, en plus tu peux. Alors, pas nécessairement. Au moins une fois. Et le pire, c'est que tu es libre sur ce sujet-là de changer d'avis autant de fois que tu te poses la question. Ouais. C'est ce que font les lapins tous les jours. Voilà, retirez-moi ce verre. On va te retirer le micro si ça continue comme moi ça. Aussi. Hein. Mais on n'a pas beaucoup entendu Azertov. Oui, c'est ça. On va le laisser parler un petit peu, Azertov. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Azertov ? Bonjour, j'ai faim. Ah oui, c'est vrai. On va te commander un. Est-ce que tu veux qu'on te commande un tacos avec Phil et Poff ? Bon, il va passer par Toulouse, donc il va mettre un peu de temps à arriver. Mais bon. Il sera froid en arrivant, c'est pas grave. Non, mais... Bon, sinon, Laura, alors, petite question du coup, est-ce que tu bois de la bière ou pas du tout ? Ben non, ça m'a fait rigoler parce que je vous entendais. Vous m'entendiez pas, mais je vous entendais. Et j'étais là, mais je ne savais pas du tout qu'on allait parler de bière. Je n'aime pas du tout la bière. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, hein. C'est juste qu'on va te décapiter la prochaine fois qu'on va te croiser, c'est tout. Ce n'est pas sale. On va encore passer pour des sectaires. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'elle aime pour que la prochaine fois, on puisse le partager ensemble. Il est en train d'affûter son couteau à vendange, là. C'est ça. Alors, sachant qu'on va déguster des bières, mais j'ai aussi prévu un saké pour plus tard. Pour le et le cidre. Ah, le cidre, le cidre aussi. Ça passe aussi. Cidre, parfait. Ah, non, ouais. Mais le cidre, c'est totalement accessible. Mais que très bon, mais cidre que breton, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ah, non, le irlandais. Je ne suis pas sectaire, moi, au niveau du cidre. Non, mais le cidre, ça passe tout à fait, puisque, mine de rien, de même sujet que la bière, on va dire, c'est une boisson fermentée. Donc, je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de parler de cidre. Ce n'est pas un problème. Je dois parler de cidre. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Hein, tu n'es pas obligé. En fait, tu fais à peu près ce que tu veux. Voilà, la question, en fait, concrètement, parce que moi, j'ai pu la poser en amont à Culture IMS, et donc, du coup, je connais sa réponse, mais la question que je te pose est beaucoup plus simple, c'est est-ce que tu souhaites participer au podcast, on va dire, sur la thématique de la dégustation avec nous ou pas ? C'est-à-dire que je vais devoir parler ? Si tu le souhaites. Ah. Je suis pas sûre. Et si tu nous parlais de ce que tu as envie pendant que nous on déguste, le temps qu'on se fasse une idée. Parce que moi aussi j'ai envie de manger.
Ah bah alors, on va... dans ce cas-là, on va te libérer, on va te laisser aller manger si tu veux. Hein. Non, non, mais... Ou si mais... qu'est-ce que tu non, honnêtement, mais... c'est comme tu le souhaites. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exigence et il n'y a pas de contrainte de quoi que ce soit. Mais vous allez parler de quoi ? Alors, on va parler de la thématique de la dégustation de la bière. Ah. Donc, du coup, effectivement... Donc, je pense que je vais vous écouter plus que... Eh bien, dans ce cas-là, tu es la bienvenue à nous écouter. D'accord. Mais merci d'être venu, en tout cas. Ah bah... Merci d'être venu. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Parce que ça, s'il te plaît. C'est très important, quand même. C'est que le podcast Môme, c'est bien, on a le nom, mais quelles sont les plateformes sur lesquelles on peut te retrouver, le at de ton compte Twitter où on peut te retrouver, etc. etc. Ok, alors du coup, bah, c'est sur iTunes, Spotify, Deezer, sur Encore aussi, parce que je suis hébergée sur Encore, mais t'as des pas dessus. Hein. Non, mais moi aussi, donc t'inquiète pas. En fait, je savais pas, on m'a dit « Ah, teste Encore », et j'ai testé. Bah ouais. Moi, j'utilise Encore aussi pour mon deuxième podcast, et c'est très bien, donc il y a pas de problème. Et est-ce que tu l'utilises encore ? Je l'utilise toujours, oui. En tout cas, on a eu du mal à se débarrasser de Flag, on a récupéré Asie, quoi. Ouais. Et donc, ok, et donc ton compte Twitter, c'est Môme Podcast. D'accord. Et le rythme de parution, si c'est quelque chose de périodique et récurrent, ou est-ce que c'est comme nous et que c'est le gros bordel ? Moi, j'aimerais bien que ça soit le gros bordel, mais si c'était le gros bordel, j'y arriverais pas, je crois. Du coup, ça demande une rigueur. Ouais. Ils sont séchés autour de la table. Ça, trop bien. Non, non, c'est les premiers lundis de chaque mois. D'accord. Ah bah voilà. Ça, donc au moins, on peut bien. Retrouver. Donc tu m'as dit sur le compte Twitter, c'est Môme Podcast. Ouais. Et tous les premiers lundis du mois. C'est ça ? Oui. Ok, et eh ben écoute, c'est parfait. Mais merci. Bah de rien. Mais merci à toi d'avoir pris le temps de venir sur ton podcast, parce que c'est vrai que, comme toucheux, le sujet m'intrigue. Ouais. Et donc du coup, alors le oui, le moi, sujet ça m'intrigue parce que moi ça m'intrigue parce que j'en ai trois, donc et je me suis posé la question de savoir si c'était pas criminel d'avoir des enfants en ce moment. Et moi ça m'intrigue parce que j'en ai pas encore et que je fais partie des gens qui me disent que j'aimerais bien en avoir. Mais c'est bien aussi. Là, le quatrième épisode, c'est une femme qui a eu un premier enfant et qui en veut trois. Et enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est non, mais voilà, d'où l'intéressant, le côté intéressant de pouvoir justement débattre et discuter autour du sujet. Il y en a trois, c'est pour les amocs. Voilà. Non mais ouais. C'est ça. c'est bien. Ah c'est moche. Tu me fais honte. Mais tu sais que ça existe. Et t'as pas encore bu en plus. Hein. Ouais, non, c'est ça le pire. Mais ça existe. Désolé. Oh les cons. Excuse-moi. Bon bref. Ça dérive donc, beaucoup trop non, vite. Non mais effectivement, très sérieusement, j'avoue que je vais m'inscrire, enfin je vais m'abonner à ton podcast et je vais aller écouter ça parce que le sujet m'intrigue. Donc, je vais aller voir un petit peu ce que cela donne. Ok, mais attention, le son n'est pas terrible. Il faut bien commencer quelque part. Non, il faut bien commencer quelque part. Hein. Tocheux a enregistré dans sa voiture avec une petite main libre pendant des années. Voilà. Il est passé au micro-cravate que très rapidement. J'ai survécu grâce à la bienveillance. J'avais juste envie de le fouiller à chaque fois que tu l'entendais. Voilà. Tu dois être zéro là pour ce mot. Le son, c'est pas un problème en soi. Généralement, les gens, ils y vont pour du contenu, ils y vont pour le sens que ça donne. C'est ça. Donc, t'inquiète pas pour ça. Si... C'est le fond. À part le son, les gens resteront. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Ça marche. Et tiens, petite question pendant qu'on t'a encore sous le coude. C'est ton premier podcast ? Oui. Eh ben, c'est bien. Mon premier podcast et c'est aussi. Je suis pas du tout à l'aise pour m'exprimer. Et j'ai des problèmes avec ma voix. Je préfère ma voix enregistrée que ma voix en vrai. Alors, c'est rigolo. Sache que quand tu commences le podcast, oui, tu effectivement t'as du mal avec ta voix au début. C'est oui, obligé. Je suis tellement d'accord avec toi. Tout le monde est passé. Ah non, mais ma voix enregistrée, ça va. C'est juste ma voix réelle. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Voix, en fait. Enfin, ta voix, quand on t'entend, tu vois, c'est pas désagréable. Hein. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Bon, il y en a juste un qui pleure des oreilles, mais voilà. Ouais, mais ça, on te dira pas qu'Azertov est fatigué. Ouais. Non, mais écoute, c'est le premier. J'avais une autre idée, mais j'ai pas le temps. Mais le temps ça prend. Voilà. Et du coup, se prend d'ailleurs. Et du coup, c'est quoi comme idée? Pourquoi la dégustation de cidre. Ouais, voilà. C'est ça. Non, c'était. Je voulais faire un podcast qui s'appellerait quelque chose comme Les Invisibles et qui parlerait des gens
Des sans-abri ou des gens qui font le ménage, enfin des gens qu'on ne voit pas mais qui sont là. Et qui... Donc c'est un podcast que tu vas lancer le mois prochain, c'est voilà. Ça Fais-le, vite, s'il te plaît, fais-le. Le concept est très très bon. Ouais, ouais je sais, mais il faut que quelqu'un le fasse avec moi parce que moi j'ai pas le temps. Le temps ça se prend et tu vas voir que des gens, si tu fais juste un petit appel, ne serait-ce que par alliance numérique, tu vas en trouver, je pense. Et puis ouais. Si c'est pas la même personne à chaque fois, c'est pas grave justement. Enfin, c'est juste des idées que je te donne. Ouais. Mais si t'as une idée en tête, fais-la. Ne passe pas à côté. D'accord. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Après, c'est un conseil de vieux con, hein, t'inquiète pas. De toute façon, tu te fais plaisir. Je suis assez d'accord avec toi. Et pourtant, de quoi sur le truc sur le vieux con ? Non, je te parle qu'il faut le faire et que c'est vachement une bonne oui. idée. Et pourtant, on n'a pas du tout le même âge parce que je t'avoue, moi aussi, j'ai 29 ans. Donc, tu vois, l'approche n'est pas la même que Tocheux qui, lui, est grabataire en fait à cette heure-ci. Donc... 43 ans demain, les gars, merde. C'est jeune encore. Et toutes ses dents. Oui. Voilà. Mais n'hésite pas, fais-le, s'il te plaît. Ouais, c'est une excellente si idée. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour nous. Ou fais-le pour, justement pour ceux qui ne sont pas visibles. Ouais. C'est d'accord. Une excellente idée. Ouais. Ok, ça marche. Voilà, ça j'aime. Bon, ouais. Et bah écoute, merci d'être venu. Ouais. Allez, va te sustenter. Ouais, cool. Je te sens fragile. Avec un peu de cidre. Elle est fébrile, là, on la perd, elle manque de nourriture. Bien. Mais vous aussi, vous mangez, non c'est bah, ça moi, ça y est, c'est oui. Fait. Moi, très, oui. Très liquide. Il y en a qu'un peu okay. Oui. J'ai le magnum qui est sur la jambe, prêt à se coucher. C'est le magnum Merde. Je suis venu autant de te voir, mais c'est le magnum. Oh, ça fait bien, tiens. Ça fait bien. Premier ouais. Épisode en live, ça repart en live, en fait. Non, mais il y en a qui vont aimer. Il y en a qui vont aimer. Amandizi, t'es content d'être venu. Bon, bah, écoute, Laura, merci beaucoup d'être passé. Ouais. On rappelle qu'on peut te retrouver donc sur le Twitter Mom Podcast et puis sur toutes vos plateformes habituelles. Oui. Merci beaucoup. Bisous. Bonne soirée, merci. Merci, toi aussi. Un petit coucou à Maud. Hein oui, à Maud et à Bouli. À Maud et à Bouli. Qui nous envoie des messages en nous disant je vous vois. Ça, allez, ensuite on continue. On a toujours Florent avec nous. Oui, oui, je suis toujours là. Ah, il n'a pas perdu une miette. Alors, c'est quoi la suite du programme, mon cher Loli ? Parce que je vois, il est en train de se battre avec un magnum. Alors, est-ce que oh, avant, je peux étayer un petit peu la question que vous avez posée ? Vas-y, vas-y, mon péremptoire. Moi, alors, quand ça nous arrive de faire des dégustations de bière, et j'ai souvent la petite méthode que j'ai pas, ou le vocabulaire que j'ai pas. Ouais. Et je me demandais comment décrire le goût d'une bière, alors que ce soit alors le goût, ou même le visuel, l'odeur. Le visuel, le nez, le goût. Voilà. Et je me demandais si vous aviez des petits conseils pour nous dire comment déguster une bière, et aussi à quoi s'intéresser selon le type de bière, l'acidité, s'il faut plus se focaliser sur la torréfaction, ce genre de choses. Voilà. Alors, si vous aviez des d'expérience, moi qui suis le néophyte de la bande, je te dirais que le premier aspect que je regarde dans une bière, enfin le premier critère que j'ai pour une bière, c'est juste le ressenti général, c'est la sensation que j'ai une fois qu'elle est passée dans la bouche et qu'elle finit dans l'œsophage. Mmh. Après, je vais m'intéresser plus éventuellement à sa couleur, sa texture et son nez. Mmh. D'ailleurs, ce serait même dans l'ordre, s'il fallait que ce soit dans l'ordre, ce serait vraiment le nez, la texture. Et le goût. Merci. Mais ce qui ressort en premier, justement, c'est la synthèse, c'est ouais. La globalité de la sensation que j'ai. Parce que voilà. Moi, par exemple. Une bière, pour moi, elle n'est pas, pour te dire, elle n'est pas ronde, elle n'est pas sèche, ouais. Elle est bonne. Enfin, non, elle est même, tu vois, elle n'est même pas bonne. J'aime ou j'aime pas. Okay. Ça, c'est la première. J'ai pas vraiment de juste milieu sur une bière. Moi, je suis toujours très tranché. C'est une bière qui va te parler, qui va t'évoquer quelque chose. Ah, mais une bière qui va te laisser complètement de barbe, ouais. Qui va rien éveiller comme sensation. Et t'as même des bières qui vont me décevoir. Oui. Je veux dire, c'est une fête, ce truc-là. Moi, quand j'ouvre une bouteille de bière, quand j'ouvre une bouteille... Il faut qu'elle te fasse plaisir. A fortiori, quand j'ai des gens autour avec moi pour partager, ce qui ressort en premier, c'est la sensation que ça me donne. Je suis beaucoup plus marqué par les souvenirs et les émotions oui, que me donne une bière que par son goût. Alors, presque, c'est le contexte qui va donner du goût à ta bière. Oui. Mais ça, c'est après, c'est psychique, je pense. C'est juste une question de personnalité. Quand même, qu'on a Culture Ims aussi au bout du fil, qui est pas autour de la table et qu'il faut pas l'oublier. Mmh. Ouais. Non, mais vous inquiétez pas, je vous écoute aussi. Mais justement, on va te faire participer parce que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un intervenant qui ne consomme pas la bière de la même façon que ce que nous on va le consommer. C'est que, comme tu nous disais tout à l'heure en te présentant, c'est que quand tu bois une bière, tu ne fais pas nécessairement attention, tu ne te rappelles pas nécessairement le nom de la bière et la brasserie qui l'a fait.
tout ce que tu te rappelles, en gros, c'est si tu l'as apprécié ou pas. Ah oui, c'est ça. Totalement, totalement. Et là, en fait, on va du coup répondre aussi à ce que demandait Pépé. C'était, quel est toi le premier critère quand tu bois une bière? Quelle est la première chose que tu remarques sur cette bière? Est-ce que c'est la couleur, le goût, l'odeur? Après, ça peut être aussi le choix, là, selon où tu achètes la bière. Oui. Non, moi, c'est plutôt, on va dire, le package, la forme de la bouteille. Oui, et l'étiquette. Il y a aussi l'étiquette, tout ça. C'est vrai que ça joue beaucoup. Envie. Alors, si tu es attiré par le côté visuel, il y a une chose que je peux te conseiller. Ben, tiens, d'ailleurs, c'est pas dur, j'en ai une bouteille devant le nez. C'est la brasserie La Débauche qui se situe à Angoulême. C'est moche, ça. D'accord. Et pour le visuel de toutes les étiquettes, de tous les types de bières, penche-toi dessus. Je pense qu'ils doivent avoir un site internet. Ah oui, ils ont un site, La Débauche, avec l'intégralité des bières qu'ils ont fait, avec tous les visuels, tous les styles, parce qu'en plus, on va revenir après un petit peu des classifications des bières et des terminologies à utiliser, puisqu'en fin de compte, la classification, on va dire, franco-belge est mauvaise, avec le côté bière blanche, blonde, rousse, ambrée, brune, noire, etc., etc., alors qu'en fin de compte, un style est plus proche bien souvent de la réalité. Et moi, du coup, j'ai une question, puisqu'on parlait de La Débauche avec la qualité de ses étiquettes. Moi, c'est une tendance que j'ai remarquée, c'est que beaucoup maintenant de brasseurs font des efforts sur ce qu'on appelle le packaging, ne serait-ce que pour attirer l'œil, hein, mais après, ça fait partie du jeu aussi. Qu'est-ce qui, toi, t'attire dans la bouteille? Ou dans l'étiquette, ou dans le... Qu'est-ce qui t'envoie vers une bière plus qu'une autre? Bah ça, franchement, je saurais pas dire. Après, moi, dès que la bouteille m'attire l'œil et tout, je sais que je vais aller vers elle plus que vers une autre que je peux connaître et tout ça. Donc vraiment, non, je sais pas. C'est vraiment un truc. Quand je vois le truc, ça m'attire et je vais je vais prendre celle-là parce que elle a l'air. Mais sympa. C'est le déclic. Voilà. Ouais, non, c'est ça, c'est le déclic. Des fois, faut se laisser guider à l'instinct. Hein. Bien sûr, ouais. Effectivement, c'est comme ça que ça marche aussi. Il faut pas l'oublier. Hein. Donc, mon cher Loli, est-ce qu'il y a une normalisation ou une standardisation pour déguster la bière? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, ne serait-ce que pour tout le monde, que tout le monde ait la même référence quand on parle d'une bière en termes d'ordre, par exemple la vue, le nez, le goût, les couleurs et tout ça? En fait, alors l'ordre est le même que celui qu'on pourrait avoir sur le vin. C'est que d'abord, on fait la première dégustation, elle est visuelle. C'est que le premier moment où tu fais la classification de ta bière, c'est le premier contact. Le visuel, exactement. C'est le premier contact. Quand tu la verses dans ton verre, c'est quelle est la couleur de la bière que tu es en train de boire. C'est quelle est la texture de la mousse que tu vas avoir dessus. Est-ce qu'il y a de la mousse? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce que la mousse est très fine et presque crémeuse? Ou est-ce qu'au contraire, la mousse est très aérée et se dissipe très vite? Est-ce que la mousse tient? Est-ce qu'elle ne tient pas? Etc., etc. Est-ce que la bière est trouble? Ou est-ce qu'au contraire, elle est limpide? Est-ce que les bulles que tu vois dedans sont très fines? Ou est-ce que tu vois des grosses bulles? Voilà, c'est de toute façon, le premier contact que tu as avec la bière, comme le disait justement Yerslo, c'est visuellement. Visuellement, quand tu sers ta bière, à quoi elle ressemble? Je fonctionne beaucoup à ça pour les sours, par exemple. C'est ça qui est important en plus pour les savoirs, parce que c'est le truc le plus perturbant et le plus anti-classification. Ouais. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est une sour? Alors une sour, c'est une bière qui va être acide ou acidulée au moins. Les sours, en fait, c'est plutôt un style que nous allons avoir en Angleterre et aux États-Unis au niveau du non-sour. Si on est en Belgique, on va avoir tout ce qui va être gueuse, lambic, creek. Donc toutes les bières sucrées. En fait, ce sont des bières, ce qu'on appelle la fermentation spontanée. Ouais. Comme la gueuse. Comme une gueuse. En fait, mais pour moi, ça, c'est des bières sucrées, aromatisées. C'est le problème. C'est beaucoup plus acide que sucré. En fait, le problème, c'est que quand tu vas en grande surface acheter une bière à la cerise, tu vas tomber 90 fois sur 100 sur de la Lindemann's Creek. Ou de la Lifeman. Ou de la Lifeman Creek, oui. Qui sont les grands courants que tu trouves partout. Ou même de la Mort Subite, oui, on trouve pas mal aussi. Le problème de ces bières-là, comme j'ai dit tout à l'heure, quand Florent nous disait que lui, justement, il aimait bien ces bières-là fruitées, etc., c'était que, comme je lui disais,
Ce sont des bières qui sont faites avec du sirop. Et un sirop sera toujours plus sucré qu'un fruit, puisque c'est du concentré. Aujourd'hui, la bière à la quetsche que j'avais ouverte tout à l'heure était faite avec des vrais fruits. Il y avait 350 grammes de quetsche par litre de bière brassée. Voilà. Et au niveau du goût, on n'est pas sur quelque chose d'aussi fort, d'aussi sucré que peut l'être une frite classique. Alors, c'est beaucoup plus subtil, d'une part, et ensuite, ça te donne une bière qui est très sèche en bouche. Mais là, les textures en bouche, c'est on va aller plus dehors tout à l'heure. Alors, c'est dans le même genre que ce qu'on d'accord. a vu. D'accord. Non, mais le pire, c'est que sec, ça ne veut pas dire... C'est ça, ça n'a pas le sens du mot que tu peux avoir en tête. Oui, sec, mais c'est court. Si, sec, c'est fait, la manière sec, dont ça va réagir dans ta bouche. Oui. Mais non, mais on va venir sur justement le côté bouche après. Là, on est d'abord sur l'aspect visuel. Par exemple, aujourd'hui, fais-nous le détail de ce que tu as ouvert déjà. Pour la dégustation de ce soir, qui est un petit peu un événement, puisque c'est la première fois qu'on est tous ensemble autour de la table, j'ai ramené un magnum. D'une collaboration entre la brasserie Stone, à l'époque où ils avaient encore une brasserie à Berlin, Feu, la brasserie de Berlin, qui a déjà fermé au bout de 2 ans, voilà, ouais. Enfin de 2 ans et demi, 3 ans, on va dire, et une brasserie de Hawaï qui s'appelle Maui. Et le magnum que j'ai s'appelle la Aloha Berlin, et c'est une Imperial Coconut Porter. Donc, alors, détaille-nous tout ça. Imperial Coconut Porter. Alors, on va commencer par Porter. Florent, t'es pas trop perdu ? Non, ça va, je vous écoute. Moi, Il prend note. Imperial Coconut Porter. Il nous fait une transcription écrite pour après. Non, parce qu'il y a un terreau à la fin de l'émission. Donc, ah, ok, d'accord. Non, il est juste très con, t'inquiète pas. Non, mais ça, si vous l'écoutez, vous l'avez même. Et donc, on va commencer par le style de base. Le style de base, c'est une Porter. Donc, les Porters, ce sont des bières... noir au niveau de la couleur, parce que on en est sur la dégustation, donc on va le faire en décomposant. C'est une bière noire au niveau de la couleur qui est faite avec une base de malt torréfié très foncé pour un petit grammage qui donne cette couleur noire. Et après, le reste de la base de malt est fait avec des malts blancs classiques qui apportent le sucre qu'on a besoin pour pouvoir faire la bière. Alors, juste pour préciser, le torréfié très foncé, ça veut dire qu'il a cuit longtemps. C'est de la même façon que quand vous faites cuire, par exemple, le bon exemple, tiens, achetez, si quand vous avez par exemple chez vous des graines de sésame, quand vous prenez des graines de sésame et que vous les faites griller à la poêle, au fur et à mesure que le temps va passer, au début elle va être blanche, puis elle va commencer à devenir jaune, puis dorée, puis marron, puis noire. Eh bien, le malt noir qui est très torréfié, c'est celui qu'on a laissé cuire le plus longtemps. Il développe des arômes très particuliers de brûlé, de chocolat, de caramel, de café. Tout ce genre de choses, en fait, qu'on a, c'est typique du malt noir. Ensuite, les porteurs, c'est un style typique anglais. Pour les dockers. Et en fait, c'est un style qui, normalement, est assez léger en alcool. On est sur des bières qui sont en général aux alentours de 4-5 degrés, même si ce sont des bières noires. Et celle-ci, du coup celle-ci, on va expliquer pourquoi. Ouais. C'est que dans le nom, il y a Imperial avant. Ah, oui. En fait, le Imperial, dans le milieu de la bière, ça veut dire plus de tout. Donc plus de malt, plus de houblon. Ce qui fait que ce sont des bières qui sont beaucoup plus sucrées initialement, et les levures qu'on va mettre dedans vont travailler plus, générer plus d'alcool. Et donc, au lieu d'avoir une bière qui est d'habitude à 4-5 degrés, là, on est sur une bière qui est juste à 9,1. Je le reviens un tout petit peu plus forte. Mais non, ça se sent pas beaucoup. Hier, j'ai découvert de la bière à 15 degrés. Et donc, pourquoi en fait, ça ne se sent pas ? Parce qu'il y a un autre mot dans le nom. C'est coconut. Oui. Parce qu'en fait, dedans, donc il y a de la noix de coco. Qui vient adoucir, arrondir un petit peu tout ça. Et en fait, il y a plusieurs façons d'apporter la noix de coco dans une bière. Il y a des brasseries qui apportent de l'eau de coco. Donc, ça donne un goût comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Ça te met un peu plus de légèreté. Mais souvent, la noix de coco, en fait, dans les bières, est apportée via, tout simplement, de la noix de coco râpée et grillée. Mmh. Parfois toastée, parfois pas toastée. Et puis, mis directement dans le fermenteur, ça donne plein d'arômes. Et les bactéries vont consommer la noix de coco? Alors, elles ne vont pas le consommer. En fait, le truc, c'est que la noix de coco, comme c'est gras, ça va apporter des huiles. Oui. Des huiles qu'on pourrait classer presque d'huiles essentielles. Oui, d'accord. C'est ça qui donne l'arôme. OK. Voilà. Comme le houblon, par exemple, ce qui donne les arômes dedans, c'est les huiles qu'il y a dans le houblon. cette Imperial Coconut Porter est donc une porter boostée
sous stéroïdes, on va dire, ouais, à la noix de coco. Donc aujourd'hui, pour cette dégustation-là, je me suis dit, ben, on va prendre ça parce que c'est l'avantage, c'est que c'est très original sur tous les points, au niveau du goût, au niveau du visuel, au niveau de tout. Donc au niveau du visuel, comme on peut le voir nous à la caméra, beaucoup moins, je pense. Il y a des verres qui sont certainement avec, vite, je trouve, avec du décalage. Beaucoup moins au micro, ouais, pour toi. Hein. Donc avec modération, tout ça, tout ça. On est sur une bière qui, visuellement parlant, est noire complètement. Mm. Quand on la regarde à la lumière, on voit rien au travers, à part des légers reflets un petit peu marron rouge. Ouais, un peu roux. Ouais. Voilà. C'est un daltonien qui dit vraiment, ça. Vraiment, tu vois du roux, du rouge là. Ouais. Mm. Bah, le truc, c'est que j'ai la lumière. Oui, plus si tu prends une lumière puissante là-bas, tu verras un petit peu de roux dessus. Enfin, moi, je vois pas l'ampoule à travers mon verre. Hein. Donc, voilà, on est sur un gros plan de cette bière-là à la cam. Ensuite, on peut voir qu'il y a eu de la mousse, mais qu'il n'y en a plus. En fait, on a un petit collier de mousse autour du verre. Oui. Parce que sur les porteurs, sur les stouts, etc., comme ce sont des bières lourdes, en général, au début, la mousse est très épaisse, très, très fine, mais se dissipe assez vite. Oui. La mousse que vous avez sur une porteur ou une stout, ça peut s'apparenter au créma qu'on a sur les expresso. D'accord, oui. Voilà, ouais, ça fait le même genre de mousse, très fine, très crémeuse. Alors, la différence, que sur l'expresso, elle reste, tant qu'on ne le mélange bière, pas. Alors que sur la bière, dissoudre et se transformer ça en bière. Ça se dissout, effectivement. Alors, votre première impression, juste comme ça, là, parce que tout le monde, on va pas se cacher, tout le monde a goûté un tout petit peu. Bah, déjà, moi, j'ai presque goûté plusieurs fois. Déjà, j'aime. Ah, c'est déjà bien. Voilà, moi, déjà, ça rentre dans mon critère. Ah, juste pour faire un aparté, Florent, est-ce que tu as ouvert quelque chose de ton côté? Bah moi, comme on m'avait dit que c'était un truc sur la bière, je me suis dit, je vais regarder ce qu'il y a dans le frigo et il y avait que de la Cubanisto. Ah. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un peut kicker cette personne, s'il vous plaît? Je ne suis pas chez moi. Non, mais on est plein de bienveillance, on est plein de tolérance dans le cas. Tu vas rester avec nous. Le podcast, c'est la bienveillance. Hein, ça fait 20 balles déjà avec ce que tu vas dire. Ça fait, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, je suis le leader mondial de l'airbag, donc c'est ça comme va. Une jarre à gros mots. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me fait dire, lui, ce con? Ouais, et donc jusque-là, est-ce que ça t'a un tout petit peu aiguillé sur la manière de reconnaître une bière ou de l'expliquer? Là, ouais, je prends des cours là. Avec le livre, du coup, je pense que... je vais changer totalement ma manière de boire des bières maintenant. Hein. Ouais, mais je suis désolé pour toi, d'avance. Ouais, tu sais pas dans quel monde tu rentres. En fait, j'ai à toi les bouteilles à 50 balles. Disons que leur monde n'est plus le même maintenant. D'accord. Il est meilleur en goût. C'est ça. Oui, il est meilleur. Je me doute bien. Il est différent. Donc, on reprend visuellement. Donc, vous avez vu la couleur noire. Black. C'est noir. Vous voyez le petit collier de mousse qu'il y a sur le bord du verre. Oui. Ou qu'il y avait. Enfin, ou qu'il y avait sur le bord du verre, parce que malheureusement, comme c'est une bière qui est assez grasse, du par la noix de coco. Et vu qu'elle n'est pas mauvaise, on la boit vite aussi. Voilà aussi. Alors, on ne va pas se le cacher, les bulles, on ne les voit pas. Hein. Elles sont très, très voilà. Et on parce les sent. Sont, et on parce les qu'elles sent sont pas d'une plus, finesse, hein. Mais ça, c'est normal aussi. Non, mais ça ne te pétille pas au nez, je veux c'est dire ça. Comme une sour, justement. Une sour, c'est frisant, ça n'arrête pas, c'est comme un lambrusco, pour ceux qui sont plus sur le vin. C'est quand tu mets le nez dessus, tu as toujours un... Quelque chose de perlé qui vient te chatouiller la langue. Là, tu ne l'as pas, c'est plat. À la limite, à l'aspect visuel, c'est une bière qui est plate. Et pourtant. Ouais, c'est fin, en fait, parce que en fait, on est sur une bière qui est onctueuse. Elle est presque plate. Elle est onctueuse et elle est effervescente en bouche. Je n'irai pas jusque-là. Ah, moi non plus. Ensuite, alors, maintenant qu'on a fait le visuel... Bah, y a un truc qui vient juste après. Le nez. C'est l'odeur. Et donc, à l'odeur, qu'est-ce que vous sentez? Le café. Le café, juste ouais. Complètement. Le café folle. Enfin, le côté torréfié ouais. Des céréales. Alors, mais pas le café froid dégueulasse. Du chocolat aussi. Alors, le cacao plus très le important, cacao que le chocolat. Allez, je vous donne des indices qui sont très importants. C'est les ingrédients qu'il y a dedans. C'est que, alors dedans, d'après la bouteille, hein, donc les brasseurs vraiment, il y a de la noix de coco qui a été toastée manuellement. Ça, moi, je ne la détecte pas. Non. Mais ça, non, mais ça, c'est ce qu'il y a dans les ingrédients. Hein. Attention, oui, je n'ai pas dit, il y a du café de Maui, ouais. Donc de l'île de Maui, et il y a des noisettes. Voilà, ça, il faut le savoir. Une fois qu'on sait ça, le café, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une des premières odeurs qu'on sent. Ouais. Et... Mais il y a deux raisons à ça. C'est que le café, on l'a tout simplement par le café qui est dedans, et la deuxième, c'est aussi tout simplement par le malt torréfié qui dégage quasiment systématiquement
des odeurs de café. Celle que tu nous as fait boire hier soir, je digresse un petit peu, mais elle n'avait pas du tout de café dedans. Et pourtant, elle avait pareil ce même goût de café qui revenait. Et qui bah était là, c'est ça, c'est le malt noir qui fait cet arôme de café. Mmh. Et en fait, il y a des fois où les arômes de café sont plus ou moins forts, suivant s'il y en a. Et puis souvent aussi la recette que tu utilises derrière. Parce que quelle proportion de malt grillé aussi tu mets? Est-ce que tu vas le griller fortement? Est-ce que tu mets beaucoup de malt grillé Moi, je peux te dire que pour avoir fait une Imperial Stout, je ne sais pas combien de degrés d'alcool maison, qui était un hybride de recettes clonées, elle avait un goût de café alors que j'ai même pas mis un gramme de café dedans. Ouais, mais ça, je veux bien croire. Ouais. Moi, je vous arrête parce qu'on est passé directement sur le nez, sauf qu'on a fait le visuel et on est resté bloqué sur la couleur la et le torréfier la couleur. Ouais. On en parlait un petit peu avec Loli et je pense que ça peut aussi aider les gens, juste éclairer un petit peu les gens qui nous écoutent. C'est qu'il n'y a pas que des brunes, il n'y a pas que des blondes, il n'y a pas que des ambrées. Et d'ailleurs, est-ce que le terme n'est pas un tout petit peu mal choisi? C'est juste pour parler de la couleur, ça. Alors, oui, oui mais le problème... beaucoup désignent les bières d'une manière de dire « Ah, c'est une blonde, ah, c'est une brune, ah, c'est une ambrée. » Quand tu commences un petit peu à goûter beaucoup de bières, tu te rends compte que des bières ambrées peuvent être très différentes ou des bières blondes peuvent être très différentes. Tiens, regarde, et que finalement, tu ne... Oui. Elle était blonde à la couleur, mais par contre, tu avais l'impression de boire une cuillère de vinaigre au niveau de l'acidité. Et, mais du vinaigre avec du fruit derrière. Oui, non, mais voilà. C'était un vinaigre de citron. Ouais. Oui, mais là, on est sur le goût, on n'est pas sur la couleur. Voilà. Loli, donc tu nous l'as expliqué, la couleur, c'est ce qui s'est fait justement par la torréfaction du malt. C'est ça. Là, en fait, c'est là où les quantités de malt que nous mettons dans les recettes qui viennent influencer énormément, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Moi, tu vois, je vais te dire, pour un brassin de 30 litres où je vais avoir 8 kilos de malt dedans, tu mets 300 grammes de malt noir, ta bière est... un gros pétrole opaque. Comme je te l'ai fait. Ouais. 300 grammes pour 30 litres. 300 grammes pour 30 litres, j'ai un pétrole qui est aussi noir que ça. Ouais. Ah putain. Mais pardon. C'est du bon pétrole par contre. Ouais, non, mais je dis pas que c'est du mauvais. C'est du bon pâté. Que celui-là, je me damnerai pour ça. La proportion de malt grillé dont tu as besoin est très faible. Ah bien sûr, parce qu'en plus, j'ai même allé plus loin, c'est que si tu en mets trop, tu vas déclencher des faux goûts de brûlé très mauvais. Ouais. Donc, il faut y aller vraiment avec subtilité. Ah, il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc, 300 grammes, tu es quasiment à la limite acceptable de ce que... Oh, dans 300 grammes, je suis dans une dose normale. 300 pour 30. Mais il y a des recettes de certains brasseurs, je ne sais pas, ils vont peut-être plus loin, j'en sais rien. Chacun, c'est ça aussi, c'est que tout le monde... Oui, c'est l'expérience, ils font leurs essais. Et du coup, la bière blanche. Oui. C'est fait comment? C'est torréfié comment, du coup? Alors, c'est du malt qui est très peu torréfié, qui est juste malté. Voilà. Principalement, qui est un maltage très léger, et il y a du blé dedans. Et le blé vient pâlir le truc, et puis il y a du sucre, et le sucre enlève de la couleur. D'accord. Donc pour la couleur, on est tous d'accord, ça dépend uniquement du degré de torréfaction de la céréale qui sert de base à faire le malt. Même pour les ambrées, c'est pareil, c'est pareil. Le même système. D'accord. Toujours. D'accord. Toujours. Après, donc, c'est l'équilibre entre le sucre, ce que tu disais, la qualité du malt, enfin la torréfaction du malt et la nature du malt. C'est ça. Parce que là, pour faire ça, ça s'appelle du malt black. Voilà. Logique. Vu la couleur, on se doute bien. Dans les malt belges, ils ont aussi un truc qui s'appelle genre aux malteries du château, ils ont un malt qui s'appelle le château B, qui est en fait un malt noir aussi, mais qui n'a pas les mêmes arômes, qui donne d'autres goûts. Pour faire une bière ambrée, tu as un malt qui s'appelle le malt rubis. Logique. Tu vois, c'est pour faire des ambrées un peu foncées. Et pour faire des ambrées plus claires, tu as du malt qui s'appelle du malt biscuit. D'accord. Voilà, qui donne une couleur un peu biscuit grillé. Tu vois, genre un petit... Ouais, je vois bien. Est-ce que ça commence à répondre à tes questions, mon cher péremptoire? Ne serait-ce que par la couleur, déjà. Oui, et ça m'est venu une autre question, mais je pense que ce sera encore pour après la dégustation. Moi, ce que je m'intéresse, c'est aussi aux accords. Nourriture. J'ai un truc marqué sur la bouteille dessus. Ah, ça, c'est top, parce que c'est pas souvent, ça. J'ai mon antisèche. Et je serais curieux de savoir avec quoi on peut manger. Ça. Est-ce que Florent a une idée de ce qu'on peut boire et ce qu'on mange et comment on les accorde justement en termes de bière? J'ai aucune idée. Bonne chose. Pas du tout. On l'a réveillé. Parce que Florent, il boit sa bière à l'apéro. Oui, mais il a bien raison. Une bière, il n'y a pas de moment. Oui, non, mais tu peux la boire pendant le repas aussi. Tu peux pas faire. Il n'y a pas de moment. Après, je vais pas essayer de boire une à 9h30 parce que ça sera un petit peu pochon, mais bon. Bof. Et pourquoi pas si elle est bonne?
pourquoi pas. C'est bon, pas qu'elle est bonne, c'est est-ce qu'elle te plaît oui, ou est-ce qu'elle te plaît pas. Voilà, c'est comme tout, c'est comme le podcast, c'est comme les femmes, c'est comme la viande, c'est comme manger. Il y a pas, voilà, il y a pas d'heure, il y a pas. Chacun son truc. Ok. Il n'y a pas de les femmes ou les hommes, hein, chacun son truc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dégustation. Je pense que c'est juste un. Si, non, je pense qu'il y a quand même quelques mauvaises qui existent. Si. Non, c'est rien. Mais non, mais bon. Ouais. Pardon, tu... non, mais ça devient n'importe quoi. On a quoi, fait là. La couleur, on a fait le goût, mais Pépé nous a relancé sur les accords. Donc, alors, les, coup... accords, on, les accords, on verra ça après, une fois qu'on aura été jusqu'au bout de la. Allez, vas-y. Allons jusqu'au bout. Donc, ensuite, on n'est pas encore goûté là. L'odorat. Là, on était à l'odorat, donc Dizzy nous disait qu'il sentait le café et le torréfié. Le chocolat aussi. Le chocolat. La torréfié. Le chocolat, mais. Le cacao. Plus cacao que chocolat. Je suis d'accord sur le cacao plus que chocolat. Alors c'est pas la même chose. Non mais Monsieur Dizzy Rider, on va être précis s'il vous plaît. En bout, le cacao et le chocolat. C'est comme les cristaux de sel dans la mode de beurre. Il va falloir faire attention avec ça. Oh les grandes gueules des RMC là. Ça suffit là, un peu de sérieux. Mais sinon je botte les culs moi. Mais attention, on parle de bière s'il vous plaît. Direct, j'ai senti le café que je prends après le déjeuner, tu vois. Oui. Tu sens le putain d'expresso. Le café, c'est évident. T'envoies dans le nez. Ah bah c'est le petit coup de poing que tu sens en première odeur. Ouais. Mais après derrière t'as le cacao. Ouais, oh, okay. J'aime quand tu me dis t'as cacao le comme côté ça. Grillé en fait. J'aime quand tu me regardes et que tu me dis cacao. Je pense que c'est le grillé. C'est ça. C'est hyper bizarre comme goût. Ouais. Tu la bois. Déjà, t'as pas l'impression de boire de la bière. Non. C'est parce que tu bois habituellement. Non, c'est parce que tu bois habituellement. Moi aussi. Oui, parce que c'est. Oui, mais toi, je pense que les gens, quand ils ont le réflexe bière, ils ont le réflexe effervescence. Oui. Et ce type de bière, ce type de bière, justement, une pinte de Guinness. Tu prends une pinte de Guinness. C'est quand même loin de la Guinness. Et pourtant. Et tu l'as le torréfié, le café. Ouais, mais un au niveau de la tasse, c'est pas la même chose que la Guinness quand même. Mais là, le torréfié est hyper présent. Oui. La fin de bouche est vraiment hyper présent. La fin hyper de bouche est similaire à la Guinness, mais pas l'attaque. Donc c'est complexe. T'es dérouté, mon Dizzy. Ah oui, non, mais là il est perdu. Donc au niveau de l'odeur. Parce que t'as pas l'impression de boire de la bière. Et surtout pas une odeur de café froid. J'ai vraiment l'impression de boire un café après. Là au niveau de l'odeur, t'as vraiment l'impression tu viens de te finir ton filtre. T'arrives tiers, t'as l'odeur du café filtre qui t'arrive dans le nez comme ça. Ouais. En mode salut, c'est moi que voilà. Par contre, un petit café quoi. La coco, je la sens absolument pas. Non, la poudre ou la blanche. Que ça donne en bouche, la coco après. Ouais. Mais après. On a discuté cet après-midi. Ça fait un peu référence ce porteur là à une liqueur de café. Calua. Ouais, le Calua. Ouais. Ouais. Après, les gens connaissent pas forcément, donc je voulais pas aller directement sur le nom. Mais la liqueur de café ressemble un tout petit peu à cette porteur fraîche. Ouais. Et avec une absence d'effervescence. Elle est revenue. Non, mais effectivement, je peux comprendre. En même temps, on a le même genre de texture que si tu te sers on va dire un bon expresso ou un truc comme ça, t'as une texture en bouche. Un bon café turc bien serré. Un cold brew. Un cold brew, tu vois, un cold brew par exemple, tu vois, par rapport à un café cold brew. Alors qu'est-ce qu'un cold brew ? Un cold brew, c'est du café qui est infusé à froid. D'accord. C'est ça la grosse différence. C'est pas un café qu'on a laissé refroidir, c'est un café qui est infusé à froid. Et un cold brew. Ça met entre 10 et 12 heures pour être fait. Alors qu'un café froid, ça prend le temps de l'attendre qu'il soit froid. Tu le fais, tu le mets au frigo, puis ça va beaucoup plus vite. Ou à la limite, tu fais comme les Japonais font du cold brew. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un café chaud, un concentré, qui font tomber sur des glaçons. D'accord. Et en fait, ça te le refroidit. C'est le choc thermique. Bref, ça donne une texture en fait, qui est plus onctueuse, qui est un peu plus épaisse, on va dire, qu'un café tradi. Donc, ça, c'est sur l'aspect odeur. Oui. Arrive ensuite le goût. Ah, oui. Et là, c'est le drame. Et alors là, au niveau du goût, c'est là qu'il y a un grand nombre de choses qui se concrétisent. C'est le côté, on va dire, torréfié, brûlé, et les notes de café, là, elles sautent, quoi. Moi, je suis vraiment sur la note de café. Mais après, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on a tous des palais différents. Florent,
à quelle saveur tu peux être le plus sensible? Enfin, le salé, le sucré, l'acide, qu'est-ce qui nous reste? L'amer? Le salé directement. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme salé, des bières un peu iodées? Alors, on a les bières. Il y a beaucoup, par exemple, je sais que Morbras fait beaucoup de bières à partir d'eau de mer. Ouais, et on retrouve ce petit côté salin, par exemple. La brasserie Azimut aussi fait beaucoup de bières à base de jus d'huître. Une bière à l'huître, oui, voilà. Ou l'effet papillon, on a fait une oyster, une porter oyster, je crois, ils ont fait l'effet papillon. Un truc à goûter. Une brasserie bordelaise, enfin non, de Mérignac, même si tu veux, je t'en enverrai. Tu me donnes ton adresse et je te les envoie. Allez, il n'y a pas de souci. Tu pars pas perdant, en tout cas. Tu m'envoies ça en DM et puis je te ferai parvenir un petit colis. Atocheux sur Twitter, tu me demandes. Il ne faut pas hésiter parce qu'il le fera vraiment en plus. Oui, tu me donnes ton adresse et je t'enverrai des porteurs à l'huître. T'as de la chance, moi, il m'en envoie pas. Allez. Non, mais le problème avec Loli, c'est que je peux pas lui renvoyer l'ascenseur parce que lui, il t'envoie des monts de charge. Quand tu goûtes des bières, c'est des monts de charge et toi, t'arrives et t'as juste un clerc à 250 kilos. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Mais voilà. Donc, toi, t'es plus sur le salé. Donc, il faut essayer ces bières-là. Alors, il y a ça ou alors aussi, tu vois, qui va aller très bien dans cet esprit-là, ça va être les bières fumées. Oui. Les bières fumées, ça peut être intéressant en fait pour faire ressortir le côté un peu viande, un peu salé. Le meilleur exemple d'une brasserie qui fait bien de la bière fumée, par exemple. Carland, la bière fumée à la tourbe qui est dans le frigo, que si vous voulez, vous pouvez aller chercher pour justement déguster. Moi, j'ai jamais goûté ça. Moi, j'en ai goûté deux fumées. Il y a deux bières fumées que j'ai goûtées. J'ai goûté la Raftman de chez la Raftman, c'est chez Unibrew, qui est une bière fumée, qui est une brasserie canadienne. Et j'avais goûté la Rohrbier de chez Emlis, qui est une brasserie hollandaise. Voilà, cherchez le nom. Très bonne. Les Hollandais sont très très forts. On peut citer la brasserie d'Homolène juste pour le plaisir. Juste pour le fun. Juste pour le plaisir, la brasserie d'Homolène. Si vous ne connaissez pas, essayez au moins la Mario. Bon. Faites-vous plaisir, vous allez voir. L'avantage en plus, c'est que maintenant la Mario, on la trouve en. Ou alors mouiller la chaise, je ne sais pas. On la trouve chez Monoprix, je sais que je la trouve. On la trouve aussi en supermarché, genre chez Auchan ou chez Leclerc. C'est pas d'Homolène ? La d'Homolène à Mario. Ah bon ? Ouais, et on la trouve à 2,30€ la bouteille. Donc. C'est ça qui est sympa, quoi. Alors, si tu veux, donc j'ai apporté la Carland tourbée, enfin la lambrée tourbée, bière fumée à la tourbe, voilà ça. Bière bio, ouais. Paysanne, quoi. Ouais. Et ça, tout de suite. Tocheux. Voilà. Non mais attends, je sors ma bite. Non, pardon. Bravo. Ah, c'est élégant, ça. C'est bon. Mais les gens me connaissent, ils savent. Ouais, le vulgos là. Wow. On va essayer quand même de se canaliser. Hein oui. Allez, on a été sur le goût. Très bien. Merci. Donc le goût. Tous d'accord pour dire le torréfié, le café. Oui. En premier, c'est ce qui. Ah bah ça, c'est vrai que c'est ce qui te marque le palais dès la première gorgée. Ensuite, qu'est-ce que vous sentez d'autre derrière? Parce qu'il n'y a pas que ça. Là, il y a la tarte aux fruits qu'on vient de manger, mais. Bah, rebois un goût de porteur, tu vas voir, ça va vite passer. J'ai un cannelé sur la bouche, donc. Moi, j'ai un gâteau au chocolat, tu vois, je suis d'accord. Après, en dessert, le gâteau au chocolat, oui, ça donne bien avec. Bien sûr, c'est fait pour. Justement, les bières que j'ai ramenées, donc la Rice Imperial Stout Thai et la Black Swan sont des bières plutôt conseillées pour les desserts. Aller avec les desserts. La Black Swan, c'est une tuerie. Ce genre de truc. Avec de la vanille, tarte au citron. Ça, c'est le vanille porteur, la Black Swan, c'est le Mary d'avant, là. Ouais. Le café avec le chocolat qu'on vient d'avoir, là. C'est grandiose, hein. C'est une tuerie. Pour répondre à ta question, Loli. Un mélange de malade. Qu'est-ce qui vient derrière, après le côté torréfié? Moi, j'ai plus de saveur, j'ai une notion de force qui arrive. Ouais. J'ai plus de nuances. Après, j'ai un palais de fumeur, ça joue, mauvaise excuse. Parce que déjà, c'est pas bon, commencez pas, fumez pas. Et en plus, ça vous tue les papilles gustatives. Mais moi, derrière, sur des grosses bières comme ça, tu peux les sentir. Ouais. Alors, je suis désolé, moi, je suis encore à la porteur. Donc, je fais tourner. Du coup, vous êtes sur le café, le torréfié. Tu me dis, la coco, tu ne l'as pas. Non, moi non plus. Et toi, tu te disais non plus, tu ne l'avais pas, Pépé. Là, je viens de me resservir un verre.
Après le gâteau au chocolat, en plus, ça permet de passer le, d'effacer un peu le goût du café. Ça permet d'un petit peu de filtrer un petit peu ton palais. Moi, la noix de coco, en fait, ce que ça t'apporte dedans, ça va être un peu de fraîcheur. Parce que quand tu la prends en attaque, elle n'est pas agressive. Non. Elle ne vient pas trayer le palais en disant « Tiens, vas-y, mange-moi du bon gros bois, du bon gros café qui vient trayer le palais. » Tu as un peu de douceur quand même qui est là. Mmh. Et la noix de coco, en fait, dedans, va t'apporter cette fraîcheur, ce côté un petit peu plus, je n'irai pas jusqu'à dire bonbon. Adoucissant, quoi. Mais... cajoline. Oui, voilà, c'est cajoline. Ça. Double action, le nounours, tu l'as dans ta bouteille. Quoi. C'est ça. Alors, Florent, est-ce que tu es toujours avec nous? Est-ce que tu as toujours pas de crochet? Non, mais là, il est en PLS, voilà. Il est en train de pleurer sur son bureau. Ils sont cons, ils sont cons. Je suis en train de pleurer. Ah, moi, non, je suis en train de pleurer parce que je vous en bouffais, boire des trucs, et alors que moi, je suis tout seul comme un vieux connard. Avec ta cabalisto de merde. Oui, bah ouais, voilà. Mais tu es d'où, Florent, déjà? Pardon? Tu es d'où? Je suis, oui, il est d'où. Ah bah le tour ne t'es pas, mais t'es pas ta caisse là, demain midi tu peux être là, c'est bon. Ouais, là, ou alors on fait un détour, je t'emmène à Mérignac. J'habite à Tours, mais je suis pas à Tours là, donc c'est pas possible. Ah voilà, de suite non, les excuses. Non mais il est de mauvaise volonté, c'est pour ça. Donc, non, je comprends quand même sa frustration. Oui, oui, c'est, non, mais c'est sûr. Et du coup, j'étais en train de me demander, avec les premières explications qu'on a eues, est-ce qu'il s'orienterait plus sur certains types de bières avec ce qu'il vient d'apprendre, en termes de couleur, en termes de nez, est-ce que ça lui évoque quelque chose? Autre chose que la cabanisto. Ouais. Autre chose que la cabanisto ou cubanista. Bah, tiens, pour après, te dire, je sais pas comment ça s'appelle. Après, je suis vraiment un novice, donc orienté sur quelque chose en particulier, vraiment. Alors, justement, je m'engage, je fais du teasing pour un épisode de rentrée qu'on va aussi essayer de faire en live. On t'écoute. Oui. Et en fait, on va faire un épisode de dégustation guidée. Ah, en fait, on va préparer une liste de 3 bières qu'on trouve facilement dans les grandes surfaces. Ou les cavistes ou les choses comme ça, et en fait pouvoir vous guider sur les dégustations. Donc du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à nous surveiller quand on aura arrêté de dire de la merde et qu'on essaiera d'être sérieux un petit peu. Ah, moi j'ai déjà pris des photos du rayon de mon super. De la merde, ça va, hein. ça me va aussi. Hein. Donc, suivre le faux col. Et puis en fait le truc c'est que comme ça nous on va pouvoir vous guider tous, avertis ou non avertis ou total débutants. À comment déguster une bière, et puis l'avantage c'est qu'on essaiera de faire des choses accessibles au niveau prix et faciles à trouver. Et la finalité c'est de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Faut vraiment qu'on fasse un crossover avec les pochards du web. Quoi. Mais oui, non mais c'est prévu. Tu le sais pas encore, mais c'est prévu pour avril. C'est prévu pour avril. Je sais pas. Allez pas spoiler les gars. Non, ça s'appelle Podren 2020. Oui, voilà. Elle est particulière. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Bref. Donc, après, on a fait la couleur, on a fait le nez. Je cherchais ma noix de coco. Elle est où, ma noix de coco? Elle adoucit le goût. La noix de coco, comme je disais, elle adoucit, en fait. Mais on ne sent pas vraiment la coco. Non, mais non. C'est justement ça. C'est ça, en fait. C'est juste le rafraîchissement. La douceur de la coco. Parce que moi, personnellement, je déteste la noix de coco. Je n'aime pas la noix de coco du tout. J'ai une aversion pour la noix de coco. Pareil pour la rooster que tu nous as dit. À part une noix de coco un peu torréfiée, c'est pas la noix de coco. Sauf que je n'aime pas non plus. En fait, je n'aime que la noix de coco en lait de coco dans un curry. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Flag. Ouais, c'est vrai. Je n'aime que le lait de coco qui sert à faire un curry. Par contre, un gâteau à la coco, un flan coco, des boules de coco. Tu ne me verras jamais. Les boules de le loup coco. Les boules de qui te collent à la peau. Méfie-toi, j'ai un coco Bauer. Non, ça serait dommage de gâcher le lit. Il va l'avoir sur le poids de la gueule. Hein. Ouais, mais faudrait finir la bouteille d'abord. Je suis tout seul. Non, mais attends, on va finir. Mais celle-là, on voulait goûter l'autre. Bon, alors, monsieur Perrantois, parce que c'est quand même toi qui a lancé le sujet. À l'instant T, donc on a fait le visuel, on a fait l'odeur, on a fait le goût. Oui. Est-ce que tu commences à un petit peu t'orienter et avoir des points de repère? Ou est-ce que tu es toujours dans la même situation de se dire je sais toujours alors, pas où moi j'ai encore un blocage. Vas-y. C'est le vocabulaire qu'on peut pas avoir forcément. Par exemple, j'entends des mots comme carbonatation, ce genre de truc. Alors, la carbonatation. Par exemple, je te donne un exemple. Vas-y, dis-moi du vocabulaire, je vais essayer de te le démystifier. Non, mais j'ai pas forcément d'exemple de vocabulaire en tête, mais je vais par exemple sur Red Beer. Oui.
je vais sur n'importe quelle page d'une bière un peu sympa et je vois des pavés qui expliquent. C'est très compliqué. Souvent, c'est en anglais aussi. Et il y a beaucoup de vocabulaire qui est sorti et je n'ai pas ce vocabulaire. Donc, ouais. Forcément, je n'apprécie pas forcément la review. Oui, non, c'est vrai que c'est compliqué quand tu n'es pas dans, on va dire, dans le milieu. Voilà. J'ai horreur de dire ça, mais je vais le dire. Le vocabulaire, ça peut être dans le milieu. C'est exactement ça. Non, c'est plutôt Tocheux qui est au milieu de la table, à peu près. Moi, je suis au milieu de tout le monde, allez-y. Il y a vraiment dans le milieu, mais sur les côtés aussi. Tu connais Human Centipede ? On en parlait tout à l'heure. Bon, ça suffit. Un peu de tenue. Aborder un coup, alors, on parle d'attaque, on parle d'amorce, on parle d'arrière. Alors, quoi on peut parler, par exemple au niveau du, en fait, c'est surtout au niveau du goût que tu vas pouvoir avoir tout ce vocabulaire-là, parce que à l'odeur, tout le monde est capable de sentir. Oui. Alors, malgré les reconnaissances de chacun, parce que tout le monde n'a pas le même nez. Moi, par exemple, comme je le disais l'autre jour, ça fait en gros 2 ans et demi, 3 ans que je commence à récupérer de l'odorat à cause de mes allergies. Tu vois. Le nez, c'est très subjectif à ce que tu es habitué à sentir, les odeurs qui te sont familières et ce que tu es capable de reconnaître. Ouais. Donc, c'est difficile de dire, mais oui, tu sens ça. Bah non, si tu n'as jamais senti du kumquat de ta vie, tu ne pourras jamais le sentir. Oui. Ou du couette. Ça s'éduque. Hein. Voilà. Là, par contre, pour celle-ci, c'est pour ça que j'ai pris ça. C'est facile. Qu'est-ce que vous allez sentir en premier ? Bah, le café. Mais tout le monde a senti au moins une fois dans sa vie du café. Mmh. Donc, c'est facile d'avoir un point de repère. Ceci étant dit, par contre, au niveau du goût, c'est là que c'est le plus intéressant, parce que comme le palais de chacun n'est pas formé de la même façon, et puis il y a des gens qui ont des handicaps gustatifs, quand tu es fumeur par exemple, où ça vient te cramer des papilles ou te saturer le palais. Ou quand tu fais de la sinusite chronique. Oui, aussi. Ouais, le fait d'avoir un défaut d'odorat entraîne des défauts de goût aussi. Hein. Oui, tout à fait, et tu vas pas goûter de la même façon, tout à fait. Par exemple, la nosnie. Non mais voilà, je suis d'accord avec toi, j'ai des problèmes d'odorat à cause de mes allergies, je ne goûte pas de la même façon que Irslo va goûter, tu vas goûter, Dizzy va goûter, Azertov va goûter, Tocheux va goûter. On goûtera tous de façon différente. Cependant, il y a un grand nombre de goûts qu'on est capable tous d'identifier. L'acide. Tu vois, l'acidité, tu es capable de le découvrir. L'amertume, le salé. C'est difficile parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est réellement l'amertume. Ouais. Donc, il y a des gens, tu vas lui dire, tiens, cite-moi un truc amer. Et les gens vont te dire du pamplemousse, par exemple. Non, le pamplemousse n'est pas amer. Non. C'est acide. C'est acide. Ouais. Si tu veux manger quelque chose d'amer, par exemple, tu manges de la roquette. C'est un excellent exemple d'amertume. Putain, je ne l'aurais pas classé dans le amer, la roquette. Et pourtant, la roquette, c'est quelque chose d'amer. Ah ouais. L'endive est amer. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, l'endive, oui, par contre. Mais après, en fait, il va falloir. C'est pour ça qu'il va être important que pour la dégustation, on valide 3 bières qui soient vraiment très distinctes pour pouvoir faire goûter des goûts très variés. Il faut que ce soit tranché. C'est ça. Comme ça va trancher. Non, ça faisait plusieurs. Je voulais la place. Ça fait un moment que je ne les ai pas entendus, donc ça me manque un peu. D'accord. Fais gaffe, ça va partir en hors série. Je vais basculer en hors série dans pas longtemps, ça me démange. Là. Ah, d'accord, bon, alors j'y peux rien. Non, je plaisante. Finir mon Loli. Je plaisante. Mais voilà, au niveau des goûts, par contre, c'est là où on peut dire l'effervescence, la carbonatation, comme carbonatation, tu dis, c'est l'effervescence. C'est, en fait, c'est, va être l'effervescence et la sensation de bulle que tu vas avoir dans la bouche. Est-ce que tu vas avoir quelque chose qui va te sembler très pétillant? Ou au contraire, quelque chose qui va te sembler très fluide, très onctueux, et en fait, en fin de compte, la carbonatation que tu vas avoir en bouche, tu vas pas sentir grand-chose. Là, par exemple, niveau carbonatation, c'est hyper faible. Ah ben, on est proche de zéro, parce qu'en fin de compte, tu vois quelque chose d'onctueux et de crème, quoi. J'ai une question sur le site. Dans le micro. T'es pas dans mon micro, Tocheux. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est parce que j'ai pas mes yeux d'origine. Déplace le micro. Birded Beer, c'est ça, qui demande quelle est la différence entre acre et âpre. Ah, oula, je pense que c'est pas la même lettre. On a un disciple de Caradoc dans l'édition. Alors je vais être chiant. Je sais pas ce que c'est acre et âpre. D'accord. Donc, je peux pas te renseigner. Donc je en gros désolé. Tu prends un dico et puis tu te manges la comparaison. Non, mais acre, ça va être l'odeur de fumée qui va venir. Alors la fumée plutôt de bois qui va venir te coller dans le nez. Ah, il y a une bière bordelaise comme ça qui a vraiment ce goût. Hein, alors le âpre va être totalement gustatif et pas au niveau olfactif pour moi. Alors là, tu vois, si je tape sur Google acre ou âpre, le acre se rapporte à l'odorat. Il caractérise quelque chose qui a une odeur très forte et irritante, comme une fumée acre. Je suis pas mal pour l'instant. Au figuré, une remarque peut être acre. Voilà. Donc l'âpre, mais c'est âpre, le nez. Le âpre caractérise un goût acide et rugueux. Donc c'est à la bouche. Donc en fait, on est sur deux sens différents, on est sur le goût et l'odorat. Voilà.
J'espère que ça te répond, mais malheureusement, je peux pas beaucoup t'aider. Donc, du coup, parce vu que c'est deux sens différents, est-ce qu'une bière peut être âcre et âpre? Oui, je pense que oui. Oui. Elle peut être fumée. Vu elle que peut être fumée et acide, on l'a senti. Voilà. Par contre, celle-ci que tu nous as fait goûter, Azertov. La Carland. La Carland, au niveau odeur. La Carlingue. Elle est tourbée. Elle est très, très légère en odeur, alors que tout à l'heure, là, elle était hyper forte. On avait ce goût de café. Tu l'as tourbée, toi? Moi, je l'ai trouvée tourbée, ouais. Fumée, tourbée. La Carland, oui, elle est tourbée, oui. Tourbée. Elle fait penser à un whisky. Mais tourbée... Si, elle fait penser à un whisky. Vaporeuse et terreuse. Donc, pour moi, c'est fumée, tourbée. Bon, allez, les gars, c'est ma sensation de fumeur. Il reste un quart d'heure. C'est ma sensation de fumeur, donc voilà. Donc... Je la sens pas tourbée, je la sens fumée. Ouais, avec une pointe de tourbée. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que autour d'une même bière, tu mets 10 personnes, t'auras jamais 10 avis pareil. Et Florent, ta cubanista, comment elle est? Fumée, tourbée? Elle est terminée. Elle est terminée. Elle est pas ouf. Alors Loli, bironomie, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est pas ouf. C'est de la merde. Je dirais Jean-Pierre Coff, mais c'est de la merde. Exactement. Ça va, c'est pas une Valstar qui boit. Pas la kékène. Est-ce que tu l'aimes, ta bière? Bah s'il l'a acheté, c'est qu'il doit l'aimer. Non, il aurait très bien pu l'acheter pour la goûter. Non, mais c'est pas la première fois qu'il en achète. Non, je n'ai jamais acheté. Là, je suis chez mes parents, donc c'est mes parents qui en ont acheté. D'accord. Et il n'y a que ça. Donc. Voilà. De Brive, on mange des merles. Oh là, il n'y a que ça, il est méchant. Bah, donc, tu vois, on sent que tout de suite, là, l'émission lui a fait prendre conscience qu'il y avait des concepts dans la bière qui étaient absents de la cubanista. Bah ouais. Non, c'est... Ah oui, c'est sûr. Hein. Non, mais alors, pour essayer de synthétiser un petit peu tout ça, parce que comme je disais, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure maintenant. Au niveau du vocabulaire de dégustation, alors il y a plusieurs niveaux. C'est que, alors tu as tout ce qui est, effectivement, comme tu disais, la carbonatation. Mais en fait, non, c'est est-ce que tu sens que c'est pétillant en bouche ou pas? Ça, c'est les gens qui vont avoir tendance à dire j'ai du vocabulaire, je te l'expose. Ouais. Non. Après, tu auras le côté est-ce que c'est sec en bouche? Donc, est-ce que tu as l'impression que ça t'assèche la bouche? Ouais. Et tu vas avoir est-ce que c'est rond? Donc, est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est rond en bouche? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt épais, onctueux? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est très, très abrupt, mal fait ou encore trop jeune, par exemple, pour une Imperial Stout qui doit vieillir? C'est que quand tu la bois fraîche, parfois, c'est très brut. Oui. C'est très alcool. C'est très explosif en bouche. Ça fait café frappé. Ouais, mais ça te frappe, en fait. C'est pour oui, ça. Ça, ça te fait des yeux au café bord frappant. Quand tu bois. Café frappant. Ouais. C'est plutôt ça. Flippant. Un café. Même, ouais, flippant. Aussi. Mais voilà, après, donc, t'as la rondeur, t'as des choses comme ça. Ça, c'est des choses que tout le monde est capable de dire. Ouais. T'as l'onctuosité. Ouais. Tu vois, c'est dans ta bouche. Est-ce que ce que t'es en train de boire, ça te semble crémeux? Ou est-ce qu'au contraire, c'est très fluide? Ouais, totalement liquide. Par exemple, une bière avec de l'avoine va être crémeuse. D'accord. Parce que ça apporte de l'onctuosité. Voilà, c'est très vaste. Et le vocabulaire, en fait, c'est le même que beaucoup de gens pourraient avoir aussi avec la dégustation du vin. Aujourd'hui, alors j'avais pensé le ramener, mais en fait, je l'ai oublié, comme beaucoup de choses, en fait, pour venir ici. J'ai un bouquin qui est la référence francophone, là, carrément. Du podcast? Du... Non, ça, c'est ma ça. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Tu sais que tu peux vraiment te prendre un magnum sur le coin de la gueule, là. Non, mais je sais que t'es capable, en plus. Bah oui, c'est pour ça. Et tu continues, en plus. C'est oui, ça, le pire. Ah, putain, il est con, ce con. Donc, j'ai donc un bouquin qui est la référence francophone de la dégustation de la bière et des accords bière-plat. Ah, qui s'appelle « Les saveurs gastronomiques de la bière » de David Lévesque Gendron et Martin Thibault, qui sont deux Québécois. Tabarnak. Et c'est aux éditions, je crois, Le Druide. C'est un bouquin qui est en deux volumes sur comment déguster une bière, le vocabulaire, les odeurs, détecter aussi les faux goûts et les fausses odeurs d'une bière qui est infectée. Voilà, je vais demander ça. Alors, qu'est-ce que c'est que tu appelles une bière infectée? Alors, une bière infectée, il y a, on va dire, deux grandes catégories. C'est une bière qui a pris l'air et la lumière. D'accord. Donc, qui est éventée ou qui est oxydée. Donc, celle-là, de toute façon, on va la reconnaître très facilement. Non, au goût et à l'odeur. Mais, généralement, tu la mets en bouche, tu la recraches. On va alors, maintenant alors, qu'on a tous fini de manger, alors, au niveau des odeurs d'infection, on a le vinaigre, oui, mais le mauvais vinaigre, d'accord, le vomi, oui, les odeurs de métal, oui,
Ça, quand ça commence à sentir ça, quand tu sens une bière, c'est qu'en général, tu peux commencer à te barrer en courant. Alors, justement, il y a deux semaines, je t'ai fait goûter une bière et t'as bu. Oui. Et j'ai dit, elle est infectée. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Non, moi non plus. Toi aussi, toi, chef. Ouais. Mais toi, tout de suite, t'as dit, j'ai l'impression que l'acidité n'est pas contrôlée, il y a un problème sur cette bière. Tout à fait. Parce qu'en fait, à mon goût, bah, vous avez vu les sours que je vous ai fait boire aujourd'hui et hier. Le goût acide. En fait, tu as l'acidité que tu pourrais avoir comme un citron ou un vinaigre, qui va être une acidité, on va dire, relativement maîtrisée. Une acidité assez douce, en fin de compte. Okay. Et à côté, tu as des acidités qui sont genre, tu prends du vinaigre blanc, genre limite c'est du vinaigre ménager, qui est vraiment très brutal. Ouais, c'est très acide. C'est très, très, très acide. Et c'est le truc où quand tu l'avales, tu te dis... Putain, ça brûle. Oui. Et tu vois, avec le recul, justement, j'ai cette mémoire du palais qui me dit que c'était vraiment plus acide. C'est là où en bouche, tu te dis, ah, c'est pas normal. Et donc, du coup, c'est pour ça que je t'ai dit à la première gorgée, non, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Parce que ça n'allait pas au niveau de l'acidité, que l'acidité ne me semblait pas normale et contrôlée, comme je l'ai dit. Il y avait ça, il y avait l'arrière-goût qui me donnait un arrière-goût de cornichon, alors que vu la bière que c'était... T'étais pas censé avoir un arrière-goût de cornichon. Et après, ça va être. Et donc, l'autre possibilité d'infection, c'est une bactérie, simplement. Parce que une levure, c'est une sorte de bactérie, mais que tu connais et que tu méprises. C'est un champignon, c'est une bactérie, tu vois, quand même. Mais après, sur les sours, c'est des bactéries, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de boire Cependant, il y a des bonnes bactéries. Comme les ferments lactiques, les choses comme ça, ce sont des bonnes bactéries. C'est révisé, qui est la bactérie classique de la bière. Voilà, non mais il y a énormément de choses. Et à côté, tu as les bactéries qui sont mauvaises, qui vont te générer une infection. Et alors, truc très sympa quand tu es brasseur, c'est que quand ton matériel, ton fermenteur a une infection, et bon courage pour le rattraper. Ouais, c'est sympa. C'est irrattrapable. Ah moi j'ai un fermenteur en plastique. Le bicarbonate de soude. Mais même pas. Même pas, c'est tellement microscopique. J'ai un fermenteur en plastique qui a eu une infection. Je m'en suis rendu compte quand j'ai goûté ma bière pour pouvoir la mettre en bouteille, voir s'il manquait encore un peu ou pas. Je l'ai vidé, j'ai tout balancé. J'ai fait tremper à l'eau chaude et au vinaigre pendant 3 heures. Je l'ai rincé, je l'ai lavé au produit vaisselle, je l'ai lavé au désinfectant professionnel de brassage, j'ai pulvérisé du désinfectant alcoolisé liquide dedans, j'ai laissé tremper, je l'ai re-rincé, tu mettais ton nez au-dessus, ça sentait la pomme verte. Ah. Et c'était pas du tout ce que je cherchais comme odeur. Hein. Mon fermenteur est mort. Tu peux pas le rattraper. Ah, je ne peux pas le rattraper, il est pourri. Et le passer à la javel, non, c'est pas un visage. La javel. Ouais, mais je sais bien. Puis en plus, javel, ça va cuire le plastique. Ça brûle. Hein. Oui, je sais. Donc, je préfère dire qu'il est mort, c'est pas grave. J'en rachète rien. Ouais. L'avantage, c'est que c'est pas mes gros fermenteurs en inox compris, donc je m'en fous. Mais c'est peut-être plus facile à nettoyer l'inox après, non ? Alors, ouais, quand même. Ouais, ça se rattrape l'inox peut-être. L'inox, plus facilement que le plastique. Alors, l'inox, faut faire attention, c'est qu'il faut pas gratter. Ouais. Parce que si tu grattes, tu crées des mini rayures et les rayures, ça fait des points ça fait des nids à merde quoi. Donc c'est toujours compliqué à nettoyer de toute façon. C'est pour ça que bien souvent il te faut du désinfectant spécial alimentaire et puis tu fais tremper. Voilà, c'est la meilleure solution. On arrive au verdict. Alors, et juste avec quoi on mange ça, la viande rouge et donc le pairing pour ça, très important. Alors le pairing recommandé pour cette bière là. Il y avait un Mai Tai, je ne sais pas ce que c'est, au bleu. Donc, parce que du fromage du bleu avec une bière comme ça, ça va bien avec. Ah, ça peut être intéressant, ouais. Il y avait un risotto au poireau et au fenouil. Ah oui, il y a un champion du risotto autour de la table en plus. Ouais. Ça peut être sympa, tu vois, ça peut être original. Le côté fenouil, café brûlé avec du fenouil, ça peut être sympa. Il y avait des short ribs de bœuf au barbecue à la coréenne. C'est ton truc ça. Ça je valide. Et puis après des macarons. Ouais voilà. Ouais. Plutôt avec du dessert. Bien après. Alors il faut savoir. De la barbecue. Je recommande un truc avec de la viande, ça marche très bien. Moi j'ai goûté ça. J'ai fait les côtes de bœuf. Côtes de bœuf Imperial Stout. Limite un civet presque tu pourrais imaginer. Ah oui. Que ça bloquerait dans. Éventuellement. Mais tu vois, le côté côte de bœuf Imperial Stout va très bien. Mmh. Avec à la limite une sauce au bleu.
tu vois, histoire de combler le truc, parce que ça permet d'avoir un peu, en fait, il faut que ça ait un truc qui soit puissant. Ah oui, le bof, c'est puissant. Le bleu, c'est puissant. Ouais, ouais, le bœuf, c'est pas si puissant que ça. Quelque chose de puissant. Ah, attention, il faut quelque chose qui a du corps. Parce que si tu prends, tu sais, un petit filet de lieu avec une sauce au beurre blanc, tu sens pas ton lieu, tu sens que ta bière. T'inquiète pas. Hein. Bah, bien sûr. Pas très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il nous montrait, l'ami Pof ? Il nous montrait une BAM. Ouais, c'est ça. C'est une nuit blanche. C'est une brasserie artisanale de Marsac. Ah, d'accord. Je ne devais pas la connaître. Ouais, encore des gens corporate de leur région là-bas. Tarn. Bonne dégustation. C'est marrant parce que Marsac, ça sonne plus du côté de chez moi, ça. Oui, c'est vrai. Tout du côté de chez moi aussi. Ouais, la ouais moi aussi. Tout le monde. Ah, non. En fait, on est tous des gros sacs. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, des gros Marsac. Marsac. Ah, en Périgord. D'accord. Oui, donc non, c'est plus de chez moi. Okay. Dans le 24. On la connaît pas du tout. Hein. On découvre complètement. Ah, et alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est qu'est-ce très que bon. Alors, moi, j'ai pas les mots pour en parler, mais je trouve et ça très, très doux et très fruité. Quoi. On va vulgariser alors la bière. Dis-nous ce que t'en penses avec tes mots à toi. Moi, quand je l'ai bu, je me suis dit, c'est une blanche très douce et très fruitée. Comme il y en a beaucoup. Mais, elle a un petit goût de myrtille. Ouais. C'est très bien. Comme vous voyez que vous l'avez, le vocabulaire. Fun fact, j'ai une pédieu à la myrtille dans le frigo, si vous voulez goûter après. Il faut faire attention, les pédieux, il paraît que c'est explosif comme bouteille. J'ai souvent vu des bouteilles gâchées à l'ouverture. Je peux vous faire des bisous déjà, de base, parce que je ne vous ai pas eu déjà depuis le début. Oh, l'autre, on l'entend une fois par... Bisous, bisous. C'est ça le papy du podcast. Vous faites des bisous. Et du coup, est-ce qu'elle vous plaît? Elle est, enfin, moi, je la trouve très bonne. C'est le genre de choses à laquelle je m'attends quand je prends une blanche. Il y a des, il y a plein de blanches en fait qui ont un goût un peu amer, et pour moi, enfin moi, quand on me parle de blanche, j'ai pas trop ce goût là en tête. Mais je t'invite à suivre le live dégustation qu'on fera pour te montrer ce que c'est l'amertume. Non mais justement en fait c'est vraiment ça, moi j'ai des endives. C'est pour ça en fait que je veux vraiment faire ce côté live dégustation, c'est pour pouvoir montrer aux gens. Tous les gens qui disent « j'aime pas la bière, c'est amer », les gens qui veulent tenter l'expérience et découvrir ce qu'est l'amertume, je vous invite du coup à suivre ce petit live dégustation que nous organiserons. Monsieur la technique, peux-tu me dire combien de temps il nous reste? Ben, ça va être... 3 minutes. Il est 26, donc on peut 3-4 minutes. 4 minutes, on peut conclure. Bon, on a le temps de conclure proprement. Donc on va déjà commencer par Florent, qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais qu'on a quand même entendu avec des interventions intéressantes. Intéressantes, je ne sais pas. Mais non, mais c'était assez constructif, parce que ça nous a permis d'avoir ton avis aussi de totalement novice. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le podcast, on peut le retrouver sur à peu près toutes les plateformes de podcast, Apple, sur Spotify, on est sur Deezer aussi. Magellan. Il s'appelle Culturims. D'accord, Culturims. Culturims, avec un Q. Ouais, avec un Q. Q-U-L-T-U-R-I-M-S-E. Non. C'est ça, là, elle est la noire. On l'a dans le verre depuis tout à l'heure. Non, du coup, on est sur Facebook Culturims, pareil, Twitter @Culturims, on est sur Instagram aussi, et puis voilà, on est de retour à la rentrée le 5 septembre, je crois, pour une nouvelle saison. Eh bien, une bonne rentrée, alors. Je vois que tu fais un épisode toutes les deux semaines, c'est ça ? Alors, la première saison, c'était un épisode toutes les deux semaines, et là, c'est une exclue parce qu'on l'a pas encore annoncé, on passe en hebdomadaire à la rentrée. Bravo, voilà, très bien. Ouais. Et ouais. Et qu'est-ce qui justifie ça ? En fait, on s'est dit qu'on allait faire des émissions un petit peu plus courtes, mais hebdomadaires, parce que l'émission dure une heure, donc on s'est dit une demi-heure, ça peut être bien. Voilà. D'accord, moins long mais plus intense. Voilà, c'est ça. Wow. C'est juste pour faire plaisir. Tout ce qu'on aime autour de cette table. La métaphore aussi, hein. C'est très bien. Ben, longue vie à ton podcast alors. Merci. Salut. Ensuite, Dizzy, tu es en train de te fendre la gueule. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Sur Magellan. Sur Magellan. Sur Magellan, ouais. C'est le seul qui reste là-dessus. Ou dans Magellan, je sais pas. J'ai jamais été sur Magellan. Alors, non. Parce que j'ai jamais été sur Apple. Donc, du coup, je peux pas être sur Magellan. Apéro original non plus. Parfait. Mais sinon, on te retrouve où alors? Sur Twitter, il est. Twitter des Z-Riders, mais surtout chez Magellan. Aka la mode. Entre deux parties de Rainbow Six. Aka la mode. Il est plutôt sur YouPlay. Toute la bienveillance qu'il faut.
les pochards du web, sinon. Les pochards du web où on cause de trucs de pochards, quoi. Donc, bah, comme ici, en fait, j'ai l'impression. Sauf que ici, c'est un peu plus développé, c'est un peu plus. j'essaye de faire en sorte que les gens soient disciplinés, mais c'est parfois difficile. Je pense qu'on aurait pu sortir le fouet ce soir. La magie du live. C'est parce qu'on est bien ici. Non, mais je pense que j'aurais pu sortir le Magnum sur le coin de la gueule. Tu sors de la bonne bière et écoute, c'est calme-toi, calme-toi. Oui, non, mais c'est ça. Après, on avait une distraction fenêtre assez. Les pochards du web, on peut les que en RSS en fait, parce qu'on le trouve pas sur. Vous tapez les pochards du web dans votre application de podcast, qui n'est pas Magellan, et ça sera super. Ensuite, Monsieur le Péremptoire, où est-ce qu'on peut te retrouver? At Péremptoire. D'accord. Ou Akas ou Durfin, Aka Merveille Tuba. Voilà. Twitter. Et puis le podcast. Il y en a 50 milliards cherchés. Voilà. Ensuite, monsieur Hirslo. Alors, Hirslo sur Twitter, @Hirslo, sur internet, enfin sur le web, hirslo.net, ou sinon sur Lifetile. Nous aussi, on reprend fin août, début septembre. Lifetile.fr. Ok, monsieur le Zertov. Où est-ce qu'on peut te retrouver? @Azertov avec 2F à la fin, et ça sera déjà bien parce que je suis trop fatigué pour tout dire. Toi, t'es fatigué là. Eh ben. On se demande pourquoi. Monsieur Toncheux, on peut se retrouver où? Au bar du coin. Dans sa voiture. Avec moi en train de boire des bières. Voilà, non, en mais. En train de manger un barbecue avec une côte de bœuf. Voilà, sans rire, dans la Toncheux mobile sur Roule avec moi, sur Twitter, @Toncheux. Avec le focol, enfin dans tous les bons endroits où il y a des bons moments à partager, où on sait pourquoi on fait du podcast. Voilà. Et venez chez moi, je vous aime tous. Bah, très bien. Tu vas voir. Non, pas chez Magellan. Et toi, Loli, où est-ce qu'on te retrouve? Et ben moi, on peut me retrouver sur mon compte Twitter @theloli76. Le 76. Ouais, très important. Très important. Et j'essaye de le changer, mon compte, mais je voudrais essayer de récupérer le @Loli. Mais il y a toujours la dame. Il y a toujours en fait un shop de bonbons qui l'a réservé en 2012 et que depuis ne s'est jamais servi du compte. D'accord, mais il y avait une dame aussi. Alors c'était peut-être The Loli 79, c'était une dame de petite. On peut me retrouver donc dans le podcast Le Focol. Et on va pouvoir me retrouver dans pas très longtemps pour un redémarrage de Loli's Log. Voilà. Parce que ça, c'est ce que j'aime. Micro pour enregistrer la semaine prochaine. Ça, c'est mon Loli, voilà. Voilà. Et donc, bah voilà, ça va. C'était beaucoup moins le bordel que j'appréhendais. Hein, t'as eu peur, hein, quand même. J'ai toujours peur. J'ai failli déraper, quand même. Hein. Mais tu sais qu'il est pas trop tard pour mal finir. Avec la saloperie qu'il y avait autour de la table, si tu veux. Il y avait moyen que ça se barre en couille au bout de 30 secondes, de toute façon. Du coup, Toulouse et surtout Kenton, on est prêt à vous rendre le. À vous, Kenton, à vous les studios. Salut, Kenton. À vous, la moselle. Yo, Kenton. On est là, nous. Kenton devrait se démute d'ici quelques instants, car il nous entend et qu'il est prêt. D'après Kenton, au boulot, à vous les bien sûr qu'on est là, qu'est-ce que tu as cru? Oula, c'est normal, c'est très vert. C'est ambiance. C'est du Larsen aussi, un petit peu. Ah, il n'y a plus qu'un. Un bon gros problème qui vient de chez vous. C'est bizarre, hein, parce que en fait, il n'y a que depuis que t'es connecté que nous on est en mode. Ça fait très Star Trek en tout cas. Oui, c'est ça, c'est pas du ça. Est-ce que t'es sûr que c'est pas toi parce qu'il y a Kenton et Kenton OS X? Il y en a un qui mute, en théorie ça devrait aller. Effectivement, mon cher Mazen, pourrais-tu couper. Non, mais c'était soirée disco, tout ça, c'est cool. On te met un petit jingle de transition pas de nuit et tu prends le relais, Kenton. Oui, on va prendre le relais dans deux secondes. Qu'on se cale aussi, sans souci, on peut prendre 2 minutes pour en discuter. Voilà, c'est sur les lèvres. Toutes mes excuses, je ne suis pas usuel des appareils Mac. On s'en fout, tout va bien. C'est pas très grave. Est-ce que vous pouvez du coup réactiver cette fois le micro dans Hangout? Oui, pardon.